Pernell Caron et Lloyd Jones pour la France. Même si évidemment Lloyd Jones, comme son nom l'indique, est britannique. Ce couple franco-britannique qui est excellent en gala, comme ils vont sûrement nous prouver, qui a un petit peu plus de mal en compétition. Peut-être qu'après leur démonstration, vous nous direz pourquoi. Les juges ont surtout un peu de mal à les intégrer dans les 10 premiers de la danse sur glace. C'est bien dommage. Parce que ça n'a rien à voir parfois avec la performance, malheureusement. Ouais, hélas, n'épiloguons pas. New York, New York, chanson rendue inoubliable par le regretté Frank Sinatra, comme Something Stupid entendu tout à l'heure. De nouveau interprété par votre ami. Alors le Stéphane La France. Le très présent Stéphane La France, accompagné de la superbe par superbe Sophie Delmas, me semble-t-il. Sophie Delmas, oui. Tout à fait. Sophie Delmas qui, rappelons-le, interprète Donna dans Mamma Mia. En tout cas, Pernell a beaucoup de charme. C'est très intéressant. Oui. Et visuellement, ça passe très bien en télé. Regardez celui-là aussi, en pirouette. Oui, très très dur. Ce porté est très très dur. Ils nous sortent des nouveautés là qu'on n'avait pas vues chez eux, hein, encore. Ils ont changé tout leur programme. Ils ont inclus des portées beaucoup plus difficiles. Beaucoup de vitesse, beaucoup d'audace. Regardez. Ça a l'air si simple. Ouais, moi, je crois beaucoup à la progression de ce couple. Il ne faut pas qu'ils se découragent. J'y crois beaucoup. Rappelons d'ailleurs qu'ils sont du club de Courchevel, tous les deux. Belle interprétation, en tous les cas, de notre couple de danse, Pernell Caron, Lloyd Jones. Lloyd